Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs du Tribunal, Mesdames, Messieurs les jurés, c'est un terrain de jeu immense, le marché. Le marché, c'est un système d'économie qui offre fortune à ceux qui, organisés, arrivent à s'y imposer. Au sein du marché, les échanges commerciaux sont nombreux et ils concernent, ils peuvent prendre diverses formes. Ce peuvent être des objets, des services ou des idées. Éric V et Mohamed K, tels des entrepreneurs pleins d'idées, ont décidé de pénétrer ce marché et d'y imposer, notamment par l'intermédiaire du site doucerencontre.fr, l'intimité de Fatoumata, majeure, de Jaël, 17 ans, de Marie, 16 ans, et de Liam, 14 ans. Aujourd'hui, Madame la Présidente, vous l'aurez compris, c'est le procès d'un entrepreneuriat de l'horreur, d'une marchandisation de corps qui a mené à la fortune de deux hommes et à la dévastation de quatre jeunes filles. Et cette approche-là de l'affaire sous l'angle du marché, elle pourrait vous sembler froide et insensible. Et vous aurez raison. Mais par cette analyse, vous percevrez alors la logique de rentabilité qui a animé les accusés pendant des mois. Et vous percevrez le terrible but économique de l'asservissement des quatre jeunes filles. Mes réquisitions, elles vont s'attacher, outre à démontrer la culpabilité des accusés, à redonner de la dignité aux victimes. Là où l'organisation de Éric V et Mohamed K a pendant des mois œuvré sans relâche à les déshumaniser. C'est sur ces deux accusés, Éric V et Mohamed K, que je m'appesantirai dans un premier temps, pour ensuite, dans un second temps, évoquer la responsabilité du site doucerencontre.fr. La première phase de l'activité de Éric V. et Mohamed K, ça a été un putsch. Car les quatre victimes exerçaient toutes l'activité de prostitution lorsqu'elles ont croisé la route des deux accusés. Et le corps de chacune d'entre elles a été directement perçu par les intéressés comme un potentiel revenu, comme une véritable ressource. Aussi, les accusés ont fait le choix de la pression, de la menace et de la violence pour prendre le contrôle de cette activité. À coup de « je vais dévoiler les photos de nu que j'ai pris à ton insu si tu ne m'obéis pas » et de « tu vas te rendre dans cette chambre pour coucher avec Monsieur Richard, sinon je te défonce » adressé sans relâche à Fatoumata, Jaël, Marie et Liam, Éric V et Mohamed K ont lancé et rythmé leur affaire. L'exercice de cette pression-là, de cette violence sur ces quatre jeunes filles pour qu'elles se prostituent et pour tirer profit de leur prostitution, c'est la définition même du proxénétisme. La deuxième phase, ça a été la rigoureuse organisation de leur activité. Car s'ils ne sont aujourd'hui que deux devant vous, ils ont élaboré une véritable structure pour faire fructifier leur activité. Ils ont utilement usé de leur réseau de trafic de stupéfiants qui leur a fourni clients, ressources, moyens de transport, moyens d'hébergement. Et qui leur a également fourni des sentinelles. Pour que jamais la pression sur les victimes ne se relâche, ils ont été nombreux, les sbires des accusés, à être envoyés devant les portes des chambres d'hôtel, devant les portières des véhicules, pour y surveiller les jeunes filles qui se soumettaient péniblement aux actes de lubricité imposés. Aussi, c'est bien en bande organisée que les accusés ont exercé ce crime de proxénétisme. Et petit à petit, le chiffre d'affaires émergeait. La troisième phase, c'est l'ultime soumission. Car il est aujourd'hui question, Madame la Présidente, dans cette affaire, outre d'une violence exercée pour obliger à la prostitution, d'une exploitation d'êtres humains, de la servitude de chacune des jeunes filles pour pouvoir extraire et utiliser comme bon leur semble leur intimité. Fatoumata, Jaël, Marie et Liam ont été véritablement niées en tant que jeunes femmes par Éric V et Mohamed K. Et au moyen de cette pression-là, ils les ont de manière forcée mises à disposition sur un marché à des fins commerciales. C'est la raison pour laquelle Éric V et Mohamed K sont coupables de traite d'êtres humains. Le nombre de passes et le rythme que Fatoumata, Jaël, Marie et Liam ont du matin au soir enduré pendant des mois les ont obligés, vous les avez entendus, à s'extraire d'elles-mêmes, à se dissocier, à s'oublier.
Et Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs de la Cour, si les deux infractions de proxénétisme aggravé et de traite d'êtres humains sont retenues alors que ce sont les mêmes faits qui sont visés, c'est bien parce que le premier protège l'intérêt supérieur qui est l'intégrité de la personne et le deuxième protège quelque chose d'encore plus grand, la dignité humaine. Voyez comme il est glaçant ce marché des corps. Des femmes qui s'oublient, qui dépérissent. Et pendant ce temps, un chiffre d'affaires qui gonfle. Mais j'entends déjà la défense. J'entends déjà la défense minimiser le préjudice de ces actes sur les victimes. Car après tout, elles exerçaient déjà l'activité de prostitution lorsqu'elles ont croisé la route des accusés. Et là, on se pose un instant et on répète quelque chose de très important. C'est que ces filles, ces adolescentes, n'étaient pas complètement libres avant de rencontrer Eric V et Mohamed K. Parce que ce sont des facteurs économiques, sociaux et sociétaux qui sont subis, qui les ont précipités vers l'activité de prostitution. Alors dans cette affaire, le peu de liberté dont elles bénéficiaient déjà a été réduit à néant par les accusés, qui savaient très bien quelles étaient les fragilités de leur territoire et de leur milieu. Plus encore, si on doit trouver une signification à l'absence d'une des victimes à ce procès, ce n'est certainement pas l'absence de préjudice. Il faudrait plutôt y lire le pouvoir d'asservissement des accusés sur la jeune fille, sur sa famille même, et plus largement sur la cité où ils ont exercé. La quatrième et dernière phase, ça a été l'expansion de l'activité des accusés. Car que serait un marché sans une page internet de présentation des produits ? Par l'intermédiaire d'Internet, Eric V et Mohamed K sont passés d'une activité locale, les clients étant des connaissances ou le devenant de bouche à oreille, à une activité nationale, où tout le monde pouvait user des jeunes filles. Le site douce-rencontre.fr, aveuglé par le nombre de ses internautes et le profit qu'il pouvait engranger, a constitué une aide certaine pour ouvrir l'activité des accusés à de très nombreux autres clients. C'était en fait une interface que Eric V et Mohamed K n'ont pas créée eux-mêmes et qui faisait l'intermédiaire entre leur activité et les demandes d'autres clients. Les messages explicites ne pouvaient pas échapper aux modérateurs du site, qui savaient très bien qu'ils n'ignoraient rien les propositions. Et le site savait que les filles n'étaient pas libres de leur activité, c'est car c'était l'unique pseudo de Momo Cupidon, derrière lequel se cachait Mohamed K, qui postait les propositions, qui postait les photos des filles et qui répondait aux clients. C'est la raison pour laquelle le site douonserencontre.fr, intermédiaire qui a fermé les yeux, est coupable de complicité de proxénétisme aggravé. Et pendant ce temps, le chiffre d'affaires explosait. Plus de 10 000 euros hebdomadaires engrangés sur le dos de filles de 17, 16 et 14 ans. Au regard de ces éléments, vous déclarerez Eric V et Mohamed K, ainsi que la personne morale à la tête du site douce-rencontre.fr, coupables des faits qui leur sont reprochés. Alors quelle peine ? Quelle peine à la hauteur de ce business avilissant, de cette marchandisation dématérialisée pendant des mois ? L'ingéniosité et l'organisation glaçante des accusés m'amènent à requérir la peine de 12 années d'emprisonnement, outre une période de sûreté de moitié à l'encontre de Eric V et Mohamed K, jeune homme de 21 et 23 ans, déjà condamné pour des faits de droit commun. Il serait par ailleurs inacceptable de laisser à Eric V et Mohamed K le profit qu'ils ont tiré du corps d'autrui, ce qui justifie que je requière également la peine complémentaire de confiscation totale des objets de valeur des accusés, et qui justifie que j'adresse copie du dossier à l'administration fiscale pour que les deux accusés subissent un redressement fiscal sur leur activité illégale, tel que cela est à présent permis sur le code de procédure fiscale. À l'égard du site, et à la vue des conséquences humainement désastreuses de son aide, je requiers la peine de 150 000 euros d'amende. Alors terminons. Terminons avec ce fil directeur qu'est le marché, et gardons en tête que si jadis, il a été théorisé qu'une main invisible autorégulait le marché économique, cet immense terrain de jeu où tout semble permis. N'oublions jamais et soyons sûrs qu'en réalité, aujourd'hui, une main de fer, celle de la justice,
guette les déviances de ce marché et sévit pour préserver à jamais la dignité humaine. Je vous remercie.